Salut les filles, je vous remercie de me rejoindre. Alors peut-être qu'il y a des hommes aussi qui regardent cette vidéo parce que vous cherchez un cadeau pour votre chérie, votre maman ou votre sœur ou votre amie. Je vais vous parler de Beauty Machine, le skincare. Donc skincare, on en entend beaucoup parler. Donc vous avez voilà, électrostimulation, LED, radiofréquence, la mésothérapie, et là vous allez me dire oula oula oula, et donc l'électroporation, tout ça tout ça tout ça. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, je vais quand même vous faire un petit rappel parce que on est sur plusieurs sujets en même temps. Donc vous avez, je suis en train de regarder dans la notice parce qu'il y a une notice qui est fournie avec hop, hop, hop. Alors, vous avez donc un petit manuel hein, qu'on vous propose avec la machine. Vous avez donc, je vais quand même vous montrer, la machine ici. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne après. Et je vais les... Voilà. Je vais juste l'éteindre. Et vous avez donc son socle pour pouvoir la charger. Donc, hop. C'est comme une brosse à dents électrique. Hein, donc, on la pose sur son socle. Et vous avez donc le cordon ici. Donc, c'est un cordon USB qui est fourni. Oh, hop hop hop, je cherche, voilà, donc on peut ici donc la brancher et vous avez donc la sortie USB et vous devez donc la brancher sur votre chargeur secteur. Ah. Jusque là tout va bien. Alors donc je vais vous préciser, oui, donc quelque chose. Pourquoi je veux vous préciser quelque chose? Parce que cette machine, c'est ce qu'on appelle une pièce à main. Ça veut dire que vous pouvez vous-même vous, prodiguer en fait des soins, et en l'occurrence des soins du visage, pour pouvoir justement effacer les effets du temps. Pas de ça ici, hein, quand même. Mais voilà, moi j'ai 50 ans. Voilà, ça va commencer à se voir, donc forcément à un moment donné, on a envie, je dis ça va forcément parce que franchement, voilà, ça, ça va, j'ai effectivement quelques rides, mais il faut, voilà, à 50 ans, on a une dégénérescence de des cellules de renouvellement de la peau, donc la régénérescence cellulaire, et en fait, bah, c'est comme ça, hein, on ne peut pas lutter, c'est... C'est comme tous les organes, tout ce qui fait fonctionner notre corps. Au bout d'un moment, bah, ils sont tous fatigués, et nous aussi. Donc voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Donc parce que on perd aussi du collagène. Donc le collagène, c'est l'élasticité donc de la peau, du mal articulé. Et donc c'est aussi parce que au-delà du vieillissement, on a aussi un facteur génétique. Et on a aussi les effets du soleil parce que, en effet, donc le soleil a tendance à être un ennemi hein, quand on est trop souvent exposé. À un moment donné, vous savez bien qu'on a un capital soleil et quand celui-ci est quasiment épuisé, eh bien la peau elle perd de sa résistance aussi à lutter contre les agressions du soleil. Donc généralement, on va dans un institut de beauté pour faire ça. Ces pièces qu'on appelle pièces à main, en réalité, ici, donc ça ne se démonte pas. Mais sachez qu'en institut de beauté, ce qui se passe, c'est qu'on vous met un produit sur le visage. Donc soit un produit qui va être un produit pour vous faire un effet bonne mine. Un produit, donc c'est des petites capsules. Hein, le produit est contenu dans des capsules. Et donc on va vous mettre ce produit sur la tête, et sur le visage. Sur la tête, sur le visage, et quand on va passer donc la pièce à main sur le produit, ça va mousser un petit peu, ce qui va pouvoir, en fonction de la couleur et d'intensité choisie et du produit qu'on vous aura appliqué sur le visage, produire un effet, donc soit anti-vieillissement, soit réparateur aussi, parce que les LED sont réparatrices pour les cicatrices. Donc les mamans qui me regardent le savent aussi hein, parce que quand on a eu un bébé, généralement on a aussi des vergetures. Pour les accidentés, pour toutes les personnes qui ont des cicatrices sur leur corps, donc ça permet aussi de déstomper ces cicatrices.
Donc en fait, cet appareil et cette pièce à main peut aussi être un formidable outil et remplacer ce qu'on vous fait en institut, donc pour les estomper les dommages créés par le temps, par ce que je vous ai dit avant, donc par le soleil, voilà. Et donc être réparatrice. Alors, on a plusieurs couleurs. Donc on a une LED en fait par couleur. Donc je vais vous l'allumer déjà ici. Donc on sait que les couleurs sont associées à un traitement. Donc quand je vais vous l'approcher ici. Donc vous avez le power et LED. D'accord? Donc on a ici donc le vert, le rouge, le bleu et le jaune. D'accord? On a On l'éteint en rouge, vert, bleu, jaune, rose, j'éteins. Alors, vous avez, si je prends la LED rouge ici, donc moi je sais que c'est anti-vieillissement par exemple, mais on va regarder après ensemble, mais je m'en sers souvent, vous avez compris l'idée. Ici, vous avez Power, et dans Power, vous avez, donc, alors je ne vous ai pas dit, mais ils font, oui, non, ils fonctionnent avec le secteur, si je vous ai dit. Donc dans Power, vous avez le niveau de batterie. Donc ici, vous avez aussi donc l'intensité. Alors, on voit des petites barres ici. Voyons, on vous dit là, c'est rouge, c'est la radiofréquence. Et vous avez donc des petites barres qui indiquent l'intensité. Donc, on les voit là-haut. 2, 3, 4, 5, et là, j'éteins. Ce qu'il faut absolument comprendre, si je vous ai dit qu'on faisait ça en institut avant, c'est parce que en fait, en institut, on vous met un produit sur le visage pour pouvoir vous ensuite vous prodiguer grâce à une machine, donc une machine donc de mésothérapie, bon, peu importe, mais grâce à une machine, on va vous prodiguer en fait grâce à la technologie, le soin, d'accord? Donc là, moi, le produit, bah, je ne l'ai pas en institut, je suis chez moi. Donc j'allais me coucher. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, faut humidifier la peau. Si vous n'humidifiez pas la peau, les filles, et que vous vous servez de la machine sur une peau sèche, bah, il ne se passera rien. Ça fera rien du tout. Donc vous pouvez faire ça. Regardez, c'est super. Voilà. Je mets de la couleur sur mon visage, il est content. Mais je ne sens rien, ni chaleur. C'est pas chaud, ni onde, hein, je ne sens rien. Ok, donc du coup, avant de faire quoi que ce soit, on va mettre un petit peu d'eau avec un petit coton qu'on va mettre sur le visage, donc on va humidifier son visage, d'accord? Alors, je vais quand même vous donner quelques infos, mais vous pourrez les voir sur internet. Donc, la machine, comment elle s'appelle? Elle s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la Beauty Instrument Ah, j'y arrive plus. Mésoporation et c'est la skincare. Voilà. Excusez-moi. Voilà, skincare. Donc, du coup, l'EMS, donc c'est lifting et raffermissement de la peau. D'accord? Donc, c'est utilisé pour activer et stimuler les cellules de recombinaison et la prolifération du collagène. Donc, ça fait bouger à nouveau les muscles et de manière à ressentir la sensation de picotement et d'élasticité de la peau. Ça stimule les tissus sous-cutanés pour activer les cellules et stimuler la concentration et la recombinaison du collagène. D'accord? Ça crée de nouveaux collagènes, ça rend les muscles plus forts, donc ça vraiment ça réveille en sous-cutané. L'électroporation, c'est la nutrition. Donc c'est la nutrition. Donc on peut vous mettre en effet des produits généralement en institut avant, donc comme de l'acide hyaluronique et d'autres ingrédients. Qui ne peuvent pas pénétrer comme ça avec des crèmes. Donc là, ça va permettre de pouvoir aider à cette pénétration. Donc, c'est une technique hein, qui permet de créer un espace entre les cellules en peu de temps. Et ça va délivrer en fait les ingrédients nécessaires à la surface de la peau. Donc c'est pour ça que là, moi, je mets de l'eau. Bon, si vous avez un petit peu de crème avec l'acide hyaluronique, why not, hein.
La mésothérapie, et donc là par rapport aux ions, la pénétrabilité du plomb dans l'alimentation est d'environ 10 fois pour 1 mm de la surface de la peau, 27 fois pour 4 mm. Donc les ingrédients efficaces peuvent être introduits dans la peau afin qu'elle puisse travailler efficacement et vous laisser ressentir l'effet de la peau et retarder donc la sénescence. Je tiens à vous préciser que cet instrument, donc, il est indolore, je vais m'en servir juste après, et que les ingrédients qui pouvaient être ajoutés uniquement par injection peuvent maintenant pénétrer uniformément à la surface de la peau. Certaines des plus importants traitements de la peau peuvent être effectués avec cet instrument complet. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on sait tout ça, on sait qu'il y a 4 modes de lumière. Donc, on a donc le mode 1. Donc, le voyant rouge s'allume. C'est ce qu'on a vu. Ça permet de favoriser la régénérescence du collagène et de rendre la peau élastique. Ça convient aux peaux flasques et ridées. Bon entendeur. Le bouton 2, donc le voyant vert. La lumière verte permet la surproduction de mélanine, rendant la peau ainsi plus blanche et plus propre. D'accord ? On n'en sera pas Michael Jackson, hein, mais vous voyez l'idée. Le mode 3, donc la LED bleue, quand elle est allumée, elle peut aider à diminuer l'inflammation et à calmer les pores, ce qui convient pour l'acné et les peaux grasses. Pour les ados, ça peut être une bonne option. Le mode donc de la lumière rose, donc lui, il aide à blanchir la peau, ce qui convient aussi aux peaux ternes. Donc, ça diminue pas l'inflammation, d'accord? Contrairement à la LED d'avant, donc la bleue qui fait acné et inflammation. Et enfin, donc, le mode de la lumière rose, donc qui clignote, permet de renforcer la pénétration du gel ou l'emplacement de beauté, après avoir utilisé tous les soins, appuyez sur la LED cells pour éteindre la lumière. Donc si vous pouvez, vous voulez rajouter des soins particuliers par rapport à ce que je vous ai dit, donc vous pouvez rajouter une crème avant, du collagène, un soin qui va être adapté en fonction de la LED que vous choisissez. Moi je pourrais très bien prendre de l'acide hyaluronique par exemple, ou du collagène. Bon, là je prends de l'eau pour la vidéo pour vous montrer, parce que j'ai déjà fait des soins aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu prendre en effet un autre ingrédient. Alors je mets donc un petit coton avec de l'eau, parce que du coup ça va réussir à être conducteur et à faire passer le courant, enfin le courant. C'est pas non plus la décharge électrique du siècle, hein. On ne se trompe pas. Alors, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lumière rouge à la lumière rouge on va mettre, voilà, donc le niveau 3. Je pourrais très bien mettre le niveau 5, mais on fait progressivement, voilà, d'accord. Donc là en fait vous allez tirer, l'appareil ne chauffe pas beaucoup, voire presque pas. Il y a beaucoup de gens qui font ça matin et soir. Alors je vais augmenter un petit peu et je vais rajouter un petit peu d'humidité. J'ai un peu la peau sèche quand même. Voilà, et je vais rajouter, voilà, et là je sens, il y a un petit bruit, un léger bruit, mais c'est vraiment très, très bas. Alors, ça fait un petit picotement. Ça fait vraiment
Ça fait vraiment un tout petit picotement qui n'est pas non plus insupportable. Hein. C'est pas désagréable. Hein. Voilà. On ressent quand même que ça tire. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon œil là. C'est pas moi hein, qui le ferme. Hein. Parce qu'en fait, là, ça. Ouais, regardez. Ça me tire en fait. Vous voyez? Je vais le faire au milieu. C'est dingue. Hein. Alors je vais le faire au milieu. Je remodifie un petit peu. Ah, je le sens là. Oula. Là, on, vous voyez, ça me. Ça attrape en fait. Au niveau du nerf. Je vais faire au niveau de la bouche. La peau est moins fine. Hein. Donc ça sera. C'est vrai qu'on le sent moins. Non, on le sent plus quand même. Hein. Regardez un peu. Mais je suis pas à fond. Hein. Voilà, je vais refaire là. Direct. Hein. Voilà. Vous voyez un petit peu? Alors, du coup, au niveau du résultat, moi, je trouve que c'est quand même sympa parce que c'est pas violent, mais c'est constant. Donc, si on fait ça matin et soir, franchement, ça tire quand même. Il y a quand même une action, on le sent. C'est pas désagréable, ça chauffe pas. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça, mais ça fait un peu des tendons, c'est comme des. Ça tire un petit peu les muscles. C'est le but hein, d'activer les muscles pour pouvoir justement produire cette réaction-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez ravis de cette vidéo, que ça vous aura apporté quelques infos si vous voulez ce produit ou pas. Mais en tout cas, sachez que ça fait pas mal, ça ne chauffe pas. C'est pas non plus très cher. Je vous invite à aller voir sur sur Amazon. En effet, vous pouvez le trouver. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent aller voir directement. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Salut.